Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute seule. Je suis partie faire du shopping à Disneyland Paris et sans rêveur, l'occasion de dépenser beaucoup de sous parce qu'il y a des sacrés soldes. Et je vous embarque avec moi. Allons-y, let's go, générique! Avant de commencer notre petit shopping, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout partager cette vidéo si elle te plaît. Ça fait du bien à la chaîne, donc merci de nous soutenir et puis bonne visite avec moi. Je vais essayer d'être un bon guide touristique version shopping. Je vous embarque, on va se fixer uniquement sur le village aujourd'hui et n'hésitez pas à en dire en commentaire si cette vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres du même genre. Let's go! Alors, on va commencer par aller à World of Disney. Parce que World of Disney, au village, écoute, c'est la vie. Allons voir ce qui nous attend. Alors, en arrivant, on arrive sur cette collection Disneyland Paris, Paris. Et on peut remarquer ce joli petit Stitch que je trouve, mais tout juste mignon, avec son petit chapeau et ce petit poussin. Il est à 35€ et on peut voir des jolis Ears Stitch. Franchement, elles sont très très belles et ces petites ears sont au prix de 25€. On adore. Et pour les pioupiou, un joli petit t-shirt avec la tour Eiffel. Alors personnellement, cette collection Paris, on va dire mis à part le Stitch, je suis moyen fan. Je vais vous montrer quelques articles quand même. Il y a ce petit Lunchfly. On retrouve la tour Eiffel. Il est assez cutchy. Il brille de mille feux et il est au prix de... Il est au prix de 90€ quand même. Bon, ça, à mon avis, ça va gratter et puis les oreilles un peu gênées. Bon, on a du thé, des verres, des tours Eiffel, c'est Paris, hein. Alors, la collection Paris, vous me direz, pourquoi Paris? Parce que faut penser aussi à nos amis touristes étrangers. Regardez ce petit Mickey, 30€. Oui, Disneyland Paris, c'est aussi Paris. Ils viennent en France. C'est comme si nous, on allait en Californie et qu'on n'allait pas visiter Los Angeles. On peut retrouver, ce jersey Stitch, il est avec la tour Eiffel, s'il vous plaît. Moi, je le trouve plutôt joli. Et le dos, il est assez sympathique. Bon, il doit être au tarif habituel des jerseys. Donc, en attendant que je regarde le prix, 70€, voilà. Et on peut retrouver d'autres articles de la collection Paris. Ce joli petit sac Paris. Alors ça, ce sweat, je trouve plutôt pas mal. 70€, ça va, c'est raisonnable. Et le dos, waouh! Non, celui-là, il est sympa et honnêtement, il doit tenir particulièrement chaud. Je la trouve assez rétro dans les couleurs, cette collection Paris. Sincèrement, ce t-shirt qui vaut 30€, il est assez cutchy. On a aussi le bob réversible, on voit les deux côtés, avec Paris Tour Eiffel. C'est sûr que pour un Français, ça peut sembler 25€. Ça peut sembler un peu too much de porter Mickey et la Tour Eiffel, mais je vous assure que pour un étranger, c'est plutôt pas mal. Donc cette veste vaut 50€. Alors pour la Saint-Valentin, on craque complètement sur ce petit Stitch avec, oh là là, ces petits cœurs sur la tête. Il est tellement cute, on l'adore. Il est au prix de 30€, je pense qu'il ne va pas rester longtemps. Donc si vous voulez repartir avec votre Stitch d'amour, courez le chercher. Et dans la catégorie Saint-Valentin, parce que Stitch, c'est entendu qu'il aime Angel, on peut porter ses ears d'amour. Donc c'est très love-love. C'est fini la Saint-Valentin, mais on est quand même... 25€ dans la thématique. Attention promo, il y a 30% de réduction sur les sacs à dos Disney Lunchfly, Star Wars et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ce sac à dos Jack que j'adore, qui est initialement au prix de 90€, est à 30% de réduction. La réduction passe annuelle s'applique également. Si vous aimez Jack, c'est le moment de foncer. Il y a également 30% de réduction sur les bonnets et écharpes mini rouges. Donc je pense qu'on parle de ça. Cette écharpe initialement à 20€ et ce bonnet initialement à 17€. Si vous aimez mini, foncez également. Personnellement, petit coup de cœur, même si j'aime pas trop les nouveaux héros, mais j'aime bien Baymax. Et je trouve ce petit sac Lunchfly charmant avec le petit chat. Il est tout doux, tout moelleux, tout punchy. Alors, il est au prix de 90€, j'ai l'impression, comme tous les Lunchfly. Alors, par contre, petit conseil, si vous l'achetez, sincèrement, vérifiez la météo, parce qu'on peut, peut-être non, on ne peut pas l'enlever, on peut le décrocher. Mais s'il pleut, je ne garantis pas qu'il va durer comme ça, qu'il sera joli longtemps. Encore une petite promotion, 30% de réduction sur les produits Encanto. Alors, ici, c'est spécialité. Au World of Disney, on peut retrouver ce joli petit shirt
Pour les petites filles, à hauteur de 35 euros, franchement, il est tout doux et très girly. On retrouve des superbes ears. Elles sont très très jolies, hein, donc en promo également. Alors, le prix de ces ears, il faut le trouver, c'est 30 euros. Alors, sachez que la promo s'applique sur tous les produits en Encanto à l'exception de la valise, lanière, poupée de collection Mirabelle et bougie lumineuse. Donc ça, c'est pas Encanto, mais ça a toujours pour les enfants. C'est un produit en solde Encanto. Et ça, franchement, il est très sympa, je trouve. Il est au prix initial de 45 euros. Je vous laisse faire les mathématiques. Et on va parler de Bruno, on parle pas de Bruno. Ce t-shirt est également en promotion. Alors, je vais vous trouver le prix. Il est au prix initial de 36 euros. Et on retrouve aussi ce pull, alors que je trouve tout simplement superbe. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Regardez, moi, il y a tous les personnages. Et de dos, eh ben, c'est joli aussi. Donc, c'est coloré, hein. Faut aimer les couleurs, les gars. Mais personnellement, j'aime bien les couleurs. Alors, j'essaye de vous trouver le petit prix. Il est au prix initial de 65 euros. Et y compris dans la promotion, évidemment, ce petit sac. Bon, plus spécifique pour les enfants, je pense. Hein. Parce qu'honnêtement, on ne met pas grand-chose dedans. Téléphone portable, portefeuille. Il est au prix initial de 30 euros. Ça vaut le coup, je pense. Hein. Moi, j'aime bien. Franchement, je me laisserais peut-être tenter. On a la version plus grande, que je trouve aussi sympa. Parce qu'il est assez balèze. On peut en emmener des choses hein, quand on est maman. Franchement, il est plutôt pas mal, ce sac-là. Et ce sac-là, il est au prix de 30 euros également. Alors, vous voyez le petit et vous voyez le grand. Eh bien, ils sont au même prix. Cherchez l'erreur. Alors, sympa aussi à World of Disney, les petites offres. On peut retrouver ce joli plaid pour 10 euros au lieu de 20 euros à partir de 20 euros d'achat. Et aussi ce set de deux tasses à café que je trouve particulièrement joli pour 15 euros au lieu de 30 pour une tranche de 20 euros d'achat également. Alors vraiment, World of Disney, c'est une boutique où j'aime bien balader parce qu'ils ont quand même des beaux articles. Un méga coup de cœur évidemment pour ce joli sac Lunchai Grogu. Bon, bah, je ne vous dis pas le prix des Lunchai, on a bien compris que c'était 90 euros. Donc, la collection Paris, la voilà. Bah, je ne suis pas fan, hein, surtout de ces articles. Hein, je précise, vraiment, je trouve ça un peu flashy. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous la détaille un peu dans une prochaine vidéo, article par article, pourquoi pas. Mais là, la vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Mais si vous voulez que j'aille plus vers une collection ou une autre, lors d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas. Parce que moi, le shopping, c'est ma vie. Et j'ai décidé de vous emmener un peu plus en shopping. D'autant plus que là, il y a des sacrés promos. J'aime bien les promos. Regardez, 30% sur le set de torchons Mickey Color Pop. Mickey Color Pop, c'est celui-ci. Donc celui-ci est en promo à hauteur de 30%. Il est initialement à 13 euros, donc c'est plutôt cool. On retrouve aussi moins 30% sur la vaisselle Mickey Silhouette. Mickey Silhouette, c'est cette jolie tasse qui est au prix initial de 10 euros la tasse. C'est aussi cette mini tasse pour les expressions, 8 euros. On retrouve aussi cette jolie assiette qui est au prix de 10 euros. Ce petit bol ou cette assiette à dessert, à soupe, qui est au prix de 10 euros. Alors moi, le service, je trouve plutôt joli. Si vous voulez vous faire un petit service Disney, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Autre offre promotionnelle, moins 30% sur la gamme Mickey Fun Kitchen. Donc à l'exception de l'essuie-main et l'horloge. Donc Mickey Fun Kitchen, alors ça particulièrement, je pense que c'est dans la promo. Et ça, pour l'apéro, j'aime beaucoup. C'est au prix de 30 euros. J'ai toujours louché dessus. On a aussi l'infuseur à thé que je trouve particulièrement joli, qui est au prix de 13 euros. Donc, c'est le moment. Hein. Alors ça, je ne pense pas que ça s'applique dans la collection. Fun Kitchen, on a, hop, ben, ça, c'est sympa. C'est au prix de 30 euros. Joli plateau Fun Kitchen. Et on a tout ce qui est ustensiles de cuisine, dont 10 euros l'unité. Ils sont tous à 10 euros à première vue. Et bien, c'est le moment de faire une jolie collection cuisine. Hein. 30%, ça se prend. Toujours en Fun Kitchen, on retrouve ici donc, le porte-couvert. J'aime bien ça. Le porte-savon, pardon, qui est au prix de 8 euros. Donc là, c'est plutôt collection brosse à dents. Hein. Là, c'est pour la brosse à dents. Donc, cette pompe, 10 euros. Pour la brosse à dents, le pot de tête, 10 euros. Et on a le pousse-pousse. Oh, alors là, et la salle de bain, comment elle déchire avec cette collection. 13 euros. Alors, c'est une collection que personnellement, j'adore ça. Et j'ai un amour pour ce verre gradué qui est au prix de 10 euros. Et
une sorte de manique à tête de Mickey, qui est très très jolie, qui est au prix de 15 euros. On adore. Cette collection est tout juste délirante. Regardez-moi ce set de couleurs de couverts à salade qui est au prix de 13 euros et le rouleau à pâtisserie avec motif et relief qui est au prix de 25 euros. Mais franchement, on a des petites pinces ici aussi aux mains de Mickey. C'est au prix de 13 euros. Et le saladier ici qui est au prix de 25 euros avec les petits pieds. Vraiment, c'est trop mignon. J'adore. Méga coup de cœur vraiment pour ce petit pot à couvert qui est au prix de pop. Alors là, c'est compliqué à vous dire, mais frère, je cherche, je ne le trouve pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On retrouve à peu près les mêmes articles. Et là, les emporte-pièces à tête de Mickey en forme de sapin. C'est au prix de 15 euros. Alors, ils ont l'air relativement fins et fragiles, hein, je dis par contre. Mais les pâtissières adoreront. Et toujours ces ustensiles au prix de 10 euros l'unité. Mais les gars, je suis choquée tellement cette collection, elle est tout juste énorme. C'est le moment de refaire la vaisselle. Hein. Sincèrement, la tasse, 22 euros. Là, le fameux porte-couvert au prix de 20 euros. La petite bouteille, juste ici, qui est au prix de 17 euros. Donc ça, on a déjà vu. La tasse, on a déjà vu, c'est les mêmes articles. Mais en bas, on trouve le moule à gâteau en silicone au prix de 20 euros. Donc super pour faire un gâteau en tête de Mickey. Je suis en PLS tellement il y a d'articles. Le saladier au prix de 25 euros, mais ses soldes sont tout juste dingues. Ici, nous avons donc une sorte de set avec... on peut se promener pour le pique-nique avec des verres, une carafe. 35 euros. J'hallucine. Vraiment, c'est superbe. Allez voir, allez faire un tour à la collection Mickey couvert, là en promo Fun Pop. C'est vraiment superbe. Côté Piu-Piu, nous avons 30% de réduction sur les baguettes lumineuses, gros goût et fait de clochette. Donc voici la baguette fait clochette, par exemple, qui est initialement à 30 euros. Bah écoutez, 30%, c'est pas rien du tout, je trouve. Hein. Alors gros goût, je sais pas, je savais pas qu'il y avait des baguettes gros goût, on va voir. Nous avons aussi 30% sur les chemises de nuit Belle, Elsa et Anna. Alors si vous appelez ça une chemise de nuit, j'appelle pas ça une chemise de nuit. Personnellement, je pense, je vais regarder le ticket. Chemise de nuit, c'est une chemise de nuit. Donc celle-ci est à 42 euros, voilà. Donc on m'a dit Belle, Elsa et Anna. Bon, ça ne s'applique pas à la Ariel. Ni à la Tiana, ni à la Aurore. Je ne trouve pas les chemises de nuit Elsa et Anna, donc à mon avis, ils ont dû se faire dévaliser. C'est la Reine des Neiges, hein. C'est pas n'importe quoi non plus. Hein. Avant de quitter le World of Disney, faisons un tour par la collection Attractions que je trouve tout juste fabuleuse. Donc il y a encore plein d'articles de la collection, n'hésitez pas à venir faire un tour. Dans la boutique, à ce niveau-là, je ne vais pas vous présenter le tarif des articles parce que, tout simplement, on vous a fait une vidéo dédiée là-dessus. Je vous présente juste quelques coups de cœur. Donc, au passage, hein, voilà, en immersion, je vous emmène dans World of Disney. Regardez-moi comme c'est beau. Donc, il y a toujours autant de monde, hein, dans cette boutique. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Donc, ici, nous avons des Ears. Et moi, j'aime particulièrement les Ears Hollywood Tower Hotel. Je trouve que la collection Ears Attraction est tout juste sublime. Excusez-moi pour le bip, bip, bip. Donc, j'ai un amour aussi pour la collection T-shirt, par exemple, Indiana Jones. Ils sont au prix de 26 euros chaque. Hollywood Tower Hotel et Hyperspace Mountain. Ils sont sublimes. Et alors, les lithos, on en parle ou pas, j'adore. Il n'y a pas de mots pour ces magnifiques lithographies qui sont au prix de 27 euros unitaires. Elles sont tout juste sublimes. Donc ça, je vous laisse. J'aime trop, mais c'est trop cher. Alors, big up pour la collection Small World en général. Je la trouve superbe. Bon, la collection HTH, évidemment. Mais ce t-shirt, il est tout juste incroyable. Coup de cœur. Et coup de cœur aussi pour le haut de l'ascenseur et la petite statuette. Son côté, ceci, c'est vraiment sublime. Regardez-moi cette merveille. Tout est dans le prix. Personnellement, j'adore. Ainsi que la tasse Big Thunder Mutton. Elle est sublime. Alors, le prix est sublime aussi, 25 euros, mais ils valent bien. Donc, la collection BTM est une collection que j'affectionne particulièrement. Il ne faut pas dire un rêveur, hein, ne serait-ce que pour ce magnifique pull. Juste sublime, regardez-moi, je vous pose pour regarder le dehors, il est incroyable celui-là, vraiment le derrière,
moi, qu'est-ce qui claque? Franchement, j'adore. Le prix est de 80 euros. Bon, bah, quand on aime, on compte pas. Moi, j'aime bien aussi les coques de téléphone, un peu petites pour le mien. Et ces petites lithographies, franchement, ça, ça peut faire sympa dans une maison. Elles sont au prix de 6 euros. C'est un petit souvenir, je trouve, sympa, qui rappelle bah, une des attractions majeures. Le petit train, j'adore. Le prix est là. Ça aussi, j'adore. 89 euros. Cette veste, bon, que je trouve très bien pour un homme, mais moins pour une femme, parce que regardez, à un point de vue centrage, c'est plutôt masculin. Donc, je vais vous montrer le derrière. C'est, tout est dans le derrière, en fait. Hein. Tout BTM, c'est dans le derrière. Hein. Elle est sublime. Hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le tarif est de 80 euros. Donc, on adore. Les Ears aussi, on adore. Mais on adore tout. Hein. BTM, surtout, parce que Phantom Manor, c'est pas ça. Et bon, il y a différents objets. Venez flâner à World of Disney. Il y en a ce qui s'appelle partout. Hein. Regardez, bon, c'est noir de monde, mais il y a de quoi faire. Hein. Petit article que je rêve de ramener chez moi, c'est ce magnifique puzzle. 25 euros quand même, mais on adore. Big up aussi pour ce sac Alice au Pays des Merveilles. Que, la lithographie, tout est superbe dans ce sac. Qui est au prix de papapapam à 40 euros. Ah ouais, non, mais il peut être superbe. Hein. 40 euros, je vous dis les gars, perso, je l'achète pas. Par contre, ce que je peux acheter, c'est ces petites clés attractions. Alors là, elles sont tout juste incroyables. La Hollywood Tower Hotel, c'est ma chouchoute, elle est au prix de 25 euros, donc ça reste accessible. Pas de promo ici, bien évidemment. Voici la clé Phantom Manor, qui est très très jolie aussi. Regardez-moi ces détails, superbe. Et on a la clé ici, Pirates des Caraïbes. Donc, excusez-moi pour le flou. La clé Pirates des Caraïbes, vraiment très très jolie. Et c'est fini pour notre petit tour de World of Disney. Je dois dire que bah, ils ont été généreux quand même hein, sur les promotions. Je suis assez épatée par le nombre d'articles en promo. Il me semblait que les soldes étaient terminés. Eh ben non, ça continue. Bon, on n'est pas sur du 70% de réduction, c'est du 30%. Mais sur des articles quand même, c'est appréciable. Franchement, venez faire un tour à World of Disney. Maintenant, on va aller au Disney Store, voir si on trouve des jolies promos. Allons-y. Alors, le Disney Store, si vous ne le connaissez pas, c'est toujours au village. C'est cette longue, très longue, très longue boutique que vous pouvez retrouver qui va de là à là. Personnellement, je l'adore parce qu'il y a des articles Pixar, Star Wars, Marvel. On y va, on va voir si on trouve des nouveautés, des petites soldes, un petit peu de tout. Eh bien, on commence direct par une promotion. 30% sur une sélection d'articles signalés par une pastille rouge. Alors ici, il va falloir repérer les pastilles rouges. Eh bien, en voilà une. Une petite pastille rouge. Nous avons cette gourde qui est très mignonne, très Pixar, à 25 euros. Et ben avant la réduction, 30%, c'est bon à prendre. Alors ici, le désagrément, c'est qu'il faut chercher les pastilles. Il faut avoir l'œil partout. Ce qui fait que prévoyez votre temps de recherche de pastilles. Prenez votre temps shopping de toute façon. C'est une alternative aussi agréable à votre visite dans le parc. C'est bien, hein, ramener le petit souvenir, profiter d'une promo. On a l'impression de se faire plaisir à petit prix, ça c'est agréable. Il n'est pas en promo, mais big up pour ce joli petit sac type Lunchfly Pixar. Oh là là, moi je la trouve très très jolie. Ça fait un peu penser à l'univers de Together. Il est au sac au prix de 80 euros. Et regardez, hein, très confortable, très agréable à porter pour un piou-piou. Donc non, vraiment très très joli, j'aime beaucoup l'univers. J'aime beaucoup aussi ce t-shirt qui rappelle bah, le sigle Pixar avec la petite lampe, l'univers. Il est au prix de 30 euros, il rend bien hommage à l'univers. Vraiment, c'est la partie de la boutique qui est toujours oubliée. Venez flâner de ce côté-ci, c'est vraiment charmant. On arrive maintenant du côté des Jedi, Star Wars. Et oh, tout de suite, mon œil est attiré par ce petit panneau. Donc 30% sur les baguettes lumineuses Grogu. Et la fée clochette, les voici nos baguettes lumineuses Grogu. Et j'avoue qu'elle est très très jolie. Hein. Regardez-moi le petit Grogu comme il est mignon. Cette baguette lumineuse Grogu est au prix initial de 30 euros. Sur la partie Star Wars, nous avons toujours 30% sur les articles avec la pastille rouge. Et on peut remarquer, alors là, Luke Skywalker, R2-D2 et Grogu. Alors là, tout le monde en PLS, hein, fan de Star Wars. Le prix est de 60 euros. Et franchement, moi, je repartirais bien avec. Et notre ami Mandalorien aussi, toujours avec Grogu, est en promotion. Alors là, j'entends presque la musique du Mando. Hein. Donc, on remarque Motion Activate. Là, était son soin lumière activé par le mouvement. Et ça doit être pas mal. Hein. Et pareil pour notre ami Jedi. Donc, vraiment un bel article. Hein. Celui-ci est un peu moins cher et est au prix de 40 euros. Donc, très sympa, hein, la collection Grogu Star Wars. Pareil, vous me direz en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur un merch exclusivement Star Wars ou par catégorie. Ça peut être sympa comme type de vidéo. Une vidéo sur Star Wars, une vidéo sur Marvel.
Vous me direz ça, moi je cherche des idées de vidéos, j'aime bien le merch et j'ai envie de vous faire partager ma grande passion pour les articles Disney. D'ailleurs, je craque, hein, rêveur, il me dit non, ça t'irait pas et tout, mais celui-ci, franchement, il me plaît énormément beaucoup. Ce qui me calme, je vous avoue, c'est un peu le prix, hein, 80€, mais c'est un de mes coups de cœur merch du moment, ainsi que ces jolies Funko Pop, franchement, elles sont à tomber par terre. Mais nous sommes là pour faire les soldes. Dans la catégorie des soldes qui vont me faire tomber par terre, la voilà. Alors là, je vais passer du côté obscur de la force, hein, les gars. Hein. Dark Vador est en solde. Je répète, Dark Vador est en solde. Oh là là, ça fait longtemps que j'en rêve. Il est à 90€. J'ai l'impression que c'est le prix de tous les Lunchfly aujourd'hui. Mais regardez-moi cette merveille. Je suis en train de faire un calcul mathématique dans ma tête. 30% également sur ce joli bonnet Stormtrooper, initialement 20€. Bon, c'est la fin de l'hiver, mais j'avoue que ce boulet est très très joli. Nous avons 30% aussi sur le mug Femme de la Galaxie. Donc le voici, ce petit mug qui représente bien les femmes de l'univers Star Wars. Donc avec Ahsoka, hein, quand même, hein, s'il vous plaît. Il est au prix de 17€ initial, ça vaut le coup de se faire un petit plaisir. Je remarque que ces petits personnages ont une pastille rouge aussi. Donc c'est un univers qui a l'air assez cartooné. Hein. Donc on voit Luke, D2 et toujours Grogu. Et puis le Chewie. Donc ce prix, celui-ci, il est à 35€. Ah quand même, 35€ pour ouais. Et celui-ci avec booster inclus, il est au prix de 15€. Alors lui, 15€, beaucoup moins cher. Alors je dois dire que cette boutique-là est l'une de mes préférées de par son univers. Hein. Moi, je peux rester mais des heures à regarder tous les détails là-haut, le parc studio, le petit avion. On retrouve tout là-bas le château. Vraiment, c'est splendide. Ici, on peut retrouver aussi notre petite promo sur les bonnets et écharpes mini rouges. Mais plus intéressant, 30% de réduction sur les peluches Pampan et Marie Mega Soft. Pampan 20p et Sven allongé. Alors il va falloir chercher. Donc le Pampan, c'est un Pampan pour bébé, il est tout simplement tout doux et il est au prix de 30€. Et franchement, c'est le moment de se faire plaisir parce que ça, c'est une belle promo, hein. Il est vraiment, là j'ai un coup de cœur. Nous avons aussi 30% sur une sélection de peluches Munchling, donc ces grosses peluches là, signalées par une pastille rouge. Donc celle-ci est en promotion, elle est initialement à 30€. Celle-ci est également en promotion, ce n'est pas la même. Et bon, 35€, celle-ci aussi est en promotion, 40€. Bon, nous avons, je vais regarder une dernière, hein. Le roi n'a. Celui-ci n'est pas en promotion, ben voilà, il en fallait bien une. On retrouve notre petite promotion parce que j'ai trouvé, merci la dame qui m'a renseigné, gentil cast member, le mari allongé. Elle m'a dit aussi que le Pampan 20p et le Sved allongé, ben c'est fini, il y en a déjà en plus. Alors la mari allongée est au prix de 30€. Moi, bon, les toutes douces aussi, c'est pour les tout petits, hein, vraiment collection bébé. Bon, je fais le tour des promotions du Disney Store, mais je voulais vous montrer deux ou trois petits détails là-haut parce que franchement, j'adore, c'est vraiment superbe. Allez, on change de crèmerie. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, surtout les petites promotions Star Wars, je vous dis les amis, et puis le petit Pampan, hein. Ça me donne des idées de cadeaux, tiens. Je vais aller, allez, à la boutique d'à côté, vous savez, Disney Gallery, vraiment, il y a des objets splendides. Je me demande s'ils ont des petites promos sympathiques aussi. Alors, il se passe des choses ici. Hein. Ils sont en train de, bah, de renouveler un petit peu le Disney Village. Ce que c'est que pour circuler, soit c'est là-bas, soit c'est ici. Et on est un petit peu à l'étroit, comme vous pouvez le constater. Allez, The Disney Gallery, c'est parti. Première petite promotion, nous avons 30% de réduction sur le livre Marvel, qui est à 99€, avec Captain America d'un côté et bien sûr Iron Man de l'autre. Les amoureux de Marvel apprécieront. Ici, nous avons une offre magique, 70€ cette figurine au lieu de 149. Bon, la figurine, l'étrange Noël de Monsieur Jack, je la trouve superbe. Nous avons aussi une réduction, mais alors là, celle-là, elle est magique. 30% de réduction sur cette figurine spéciale Visionarium en édition limitée. J'en perds mes mots parce que là, je reconnais Timekeeper, Nine-Nine. C'était une de mes attractions préférées. 1992, vous pouvez repérer le petit détail, l'année. Oh là là, bon, le prix est magnifique aussi, hein, mais sincèrement, moi, j'adore l'attraction et wow, je tombe par terre là. C'est fini, je viens de voir mon coup de cœur ultime des soldes. Mais 199€, hein, je vous dis la vérité, ça loche. Hein.
petite promotion à vie aux amateurs, 30% de réduction sur les figurines vinyle par Eric Tan. Alors les figurines vinyle, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Je vous avoue que c'est une collection qui me laisse un peu pantoise. C'est 35€ la figurine, ça se présente comme ceci. Oui, c'est particulier. Si vous aimez, n'hésitez pas, c'est le moment. Ici, nous pourrons trouver tous les objets de collection de la collection Attraction. Donc, l'occasion de tous les admirer une nouvelle fois. Franchement, je ne m'en lasse pas. Avec un big up pour cette petite figurine de Phantom Manoir, vous voyez le prix. Et celle d'Hollywood Tower, vous voyez le prix également. On adore. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la boutique la plus visitée du village, mais ne venez la bouder pas. Vous avez des objets de collection incroyables, dont ce Walt the Dreamer que je trouve tout juste fabuleux. Honnêtement, venez faire un tour ici. Juste balader, admirer les objets, admirer aussi les tableaux. Vous allez adorer. Alors là, retenez-moi, je fonce au Disney Fashion. Fashion égale vêtements. Vêtements égale Madame Rêveuse adore. Bon, c'est parti. Je vais essayer de pas craquer. Disney Fashion, me voilà. On a dit les soldats. Les soldes, Madame Rêveuse, les soldes. Hein. Ne pas craquer, ne pas craquer. Maudit ne pas craquer, mais ça commence fort. Hein. Moins 30% sur les sacs à main Disney Loungefly. Regardez-moi, on veut là, hein. Mais comment qu'il est trop beau, c'est celui de Stitch. Regardez, c'est bien Disney Loungefly, c'est une pure merveille. Il est tout simplement splendide. Et les détails, waouh, waouh, waouh. Il donne envie de craquer celui-là. Il est au prix de 80€. Bon, calculette, c'est parti. Voici pourquoi j'aime cette boutique, c'est tellement fashion, c'est tellement girly et c'est tellement promotion. Alors, moins 30% sur une section d'articles signalée par une pastille rouge. Généralement, il y a ça, mais il y a les promos à côté. Et bien justement, regardez-moi ce joli pull qui est tout doux, tout choupi. Je sens qu'il est en promo et effectivement, 75€ prix initial. Et celui-ci, c'est un peu la même, mais version monstre et compagnie. Regardez, tout doux, tout sulli, pastille rouge. Il est au prix initial de 85€. C'est quand même un petit prix, mais oh là là, il est trop beau. Évidemment, c'est pas aujourd'hui que je vais l'avoir. Lui, il n'a pas de pastille. Par contre, pour les pioupiou, ah non, c'est pas pour les pioupiou, c'est pour les dames. Il a bouton d'or au prix de 36€. Un joli petit t-shirt qui est tout doux, tout girly. Regardez-moi les détails. C'est vraiment tout doux, tout choupi. Vraiment. Ouais, ça donne envie de craquer également. Hein. Alors, petite promotion, moins 30% sur les leggings adultes. Je pense que celui-ci en fait partie, puisque hey, panneau, leggings. Donc, il est à 30€ et assez joli. Il représente bien toutes les princesses. Bon, je dirais un bas de pyjama plutôt qu'un legging, mais bon, le texte est là. Hein. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Hein. Petite aparté, cette collection est tout juste à tomber par terre. Si vous allez au DLH, passez une petite nuit, je vous conseille de faire un petit tour ici pour acheter votre chemise de nuit. Ça sera vraisemblablement moins cher qu'au DLH et vous serez en mood princesse. Le t-shirt est splendide. Je reviens dessus parce que franchement, j'aime beaucoup. Il est au prix de 26€ et avec ça, vous passerez une bonne nuit. Je viens de voir un truc. Je vais craquer. Je vais pas tenir le reste de cette vidéo sans acheter quelque chose. C'est mort. Je vous explique l'objet de mon craquage. Le voilà. 30% de réduction sur ces jolis sacs à main. Donc, nous avons le mini qui est au prix de 80€, qui a l'air extrêmement solide. Regardez-moi ça, il tient debout. Ça, c'est appréciable pour un sac à main. Donc, celui-ci est au prix de 80€, toujours mini, toujours bien solide, toujours très qualite. Hein. Franchement, on touche. Il a l'air grand, hein, comme vous pouvez le voir. On retrouve la promo sur notre Loungefly Jack et notre Loungefly Dark Vador. Toujours 30% de réduction sur les articles pastilles rouges, dont par exemple cette jolie gourde. Celle-là, je l'aime beaucoup, hein. Elle est très colorée, elle a l'air très qualité aussi. Donc prix initial de la gourde, 25€, donc, ça se prend. Petite promotion très sympa, ce joli petit nœud. Très vintage qu'on peut mettre dans les cheveux. Regardez, ça vaut le coup. Hein. Chouchou mini parisienne, au lieu de 13€, il est au prix de 5€. Un petit souvenir vraiment pas cher. Nous avons 30% sur les articles de Encanto. Ça, on en a vu quelques-uns juste avant à World of Disney, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a ce joli torchon. Je dis joli parce que je trouve particulièrement charmant. Hein. On retrouve tous les personnages, il est au prix de 20€. Mais pas que, vous avez ce joli petit saladier.
Voilà, il est tout juste incroyable celui-là. Il est au prix quand même incroyable de 40 euros, mais très coloré. Ça peut faire très joli à la maison. J'aime beaucoup également, hop là, on va essayer de ne pas casser, la petite tasse. Donc c'est Isabelle, voilà, la sœur qui aime les fleurs, qui est représentée. La petite tasse est à 20 euros. Alors méga coup de cœur pour cette petite assiette qui est également en promotion un peu bois. Bruno, dédié à l'ami Bruno. Cette petite assiette est au prix de 25 euros, donc en sol, ça j'aime beaucoup. En promotion, on avait vu qu'il y avait les ears là, mais il y a aussi ce magnifique spirit jersey, que je dis magnifique parce que vraiment, je trouve incroyable. Il est au prix de 80 euros et là, je me laisserais bien tenter. De dos est très fleuri, très coloré, j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de parler de Bruno là. Toujours 30% de réduction sur nos sacs. Et cette fois-ci, c'est sur ce joli sac Tiana. Regardez-moi cette merveille. Si vous aimez l'univers de Tiana, il est initialement à 80 euros d'un point de vue qualité. Mais il est tout juste incroyable. Ça doit être un vrai lunch fly, ça. Je confirme, c'est un vrai lunch fly. Donc, en promo actuellement, c'est le moment de foncer. Encore une promo de dingue. 30% de réduction sur les mugs Mickey Sorcier. Wouhou ! Ils sont jolis et Mickey Tailleur. Donc là, en l'occurrence, c'est Mickey Tailleur. Je ne trouve pas Mickey Sorcier. 17 euros. Très joli. Ça rappelle la boutique Cire Mickey. Alors, toujours la promo 30% sur les leggings adultes. Nous avons un premier legging. Faut pouvoir le porter. Il est très rouge. Il est au prix de 36 euros. Je pense que c'est une taille un peu petite, celui-ci. Hein, mais moi, je préfère celui-là qui est un peu plus, on va dire, classique. Un peu plus épais aussi. Un peu plus dans la saison d'aujourd'hui. Il est au prix de 55 euros quand même. Bah oui, il est plus qualite, il est tout doux. Ça, 55 euros, je me laisserais bien tenter. Franchement, j'adore venir flâner dans cette boutique. Je découvre toujours de nouveaux articles. Mais les promotoires, ils sont super beaux, quoi. Ça donne tellement envie d'acheter, de venir ici. C'est pas bon, c'est la boutique que tous les banquiers détestent. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse une vidéo un peu plus appuyée sur cette boutique. Dites-le-moi en commentaire. Mais vraiment, moi, je pourrais rester des heures à flâner dans les boutiques. Alors, si ça vous intéresse, ben, je vous dirais que ça m'intéresse aussi. Alors, par tranche de 30 euros d'achat, vous pouvez acheter ce petit sac que je trouve très joli et très pratique à 10 euros. Pandora n'échappe pas aux promos. Nous avons 30% de réduction sur les articles avec une pastille jaune. Je change de couleur, c'est plus rouge. Donc, on retrouve ces articles, ces petits charmes, juste là. J'espère que vous voyez bien le prix. Petite réduction, 30% sur la montre que voici, une mini parisienne. Montre qui est à 60 euros. Donc, si vous souhaitez acquérir cette montre, c'est le moment. Et voilà, j'ai fini ma session shopping. Et évidemment, j'ai craqué. Évidemment, j'ai choisi le petit chouchou. Regardez, il est attaché à mes cheveux. Ça fait vraiment très, très joli. Hop là, j'en mets un de chaque côté. Voilà, ça m'a coûté 4,25€ avec la réduction passe annuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit plaisir, pas cher. Allez, je vais pousser le vis et je vais aller jusqu'au parc studio voir s'il y a des petites soldes. On va commencer par la Walt Disney Studio Store. C'est une boutique que j'apprécie vraiment. Je la trouve très diversifiée, celle-là. Ah bah, ça commence fort. La boutique est fermée. Je ne savais pas, pour la petite histoire, nous réaménageons cet endroit pour un plus grand confort. Bon, suivant. On va aller faire un petit tour à la studio photo. On ne sait jamais s'il y a des petites soldes. C'est une toute petite boutique. Allons voir ce qu'on peut y trouver. Petite promo, je vous conseille de pousser jusqu'ici parce que vous avez 30% de réduction sur le plaid Root, pastille rouge, comme vous pouvez le voir, qui est initialement à 30 euros. Donc très joli, si vous aimez Marvel, ça vaut le coup. Nous pouvons retrouver ici aussi la promo de 30% sur les bonnets Star Wars Druid, rappelez-vous, 20 euros. Alors on va tenter de voir s'il y a des soldes dans cette grande boutique, vous savez, celle-là, je ne sais jamais le nom, qui est à l'intérieur du studio. On y va, à l'aventure. Les soldes, on veut des soldes. Côté Pandora, il y a également des promos sur des charmes. On peut retrouver ici notre petite promo qu'on avait vue tout à l'heure au village. Donc ça nous permet de voir, les articles sont un peu mieux mis en valeur ici. Donc toujours 30%. Encore et toujours les mêmes promos. J'ai envie de vous dire que vous pouvez retrouver toutes les promos des deux parcs sur le village, vraiment, pour le moment. On va voir si je vois quelque chose d'inédit, mais pour le moment, bah, mis à part le plaid gros goût, je n'ai pas vu grand-chose. Par contre, la boutique, elle est vraiment magnifique, sincèrement. J'adore toujours cette petite voiture là-haut, hein, ma petite coccinelle d'amour qui me rappelle mon enfance. Et on peut retrouver bien évidemment ici le plaid gros goût. Alors, gros travaux de réno studio, regardez-moi ça.
honnêtement, ça prend de la place. Hein. Bon, Together, si vous voulez voir Together, venez pas en ce moment, hein, sincèrement. Hein. Mais si, je vous dis des bêtises, on peut voir les spectacles. Bon, bah, hop, quel soulagement. Alors, en fait, les travaux de rénovation ont fait que tout a changé. Hein. Regardez-moi, pendant la rénovation, merci d'utiliser le plan ci-dessous pour rendre nos toilettes les plus proches. Ils ont bien fait les choses, on n'est pas perdu. Allez, on change de crèmerie. Direction l'Hollywood Tower Hotel Gift. J'adore, entre parenthèses, cette boutique. Voyons s'il y a des promos. C'est pas dit que je craque pas. Hein. Côté promo, pas grand-chose à se mettre sous la dent à première vue, hein, même si boutique toujours incroyable. Mais je suis là pour vous trouver les promos. Les promos. Donc voilà, toujours celle-ci. Comme je le pensais, c'est un peu redite par rapport à ce qu'on peut trouver au village. Donc si vous souhaitez faire les soldes, allez au village, vous aurez tous les articles les uns à côté des autres. Ça vous invitera de vous faire toutes les boutiques du parc et vous pourrez vous concentrer un petit peu plus de temps sur le parc, faire les attractions et tout ça, et faire les boutiques à la fin de votre journée sur le parc, parce que les boutiques, pour la plupart, sont ouvertes jusqu'à 23h quand même, donc ce qui vous laisse le temps après votre journée sur le parc de vous faire un petit peu de lèche-vitrine. Je me fais une dernière tentative de shopping aujourd'hui, je vais aller vous emmener à l'Avengers Campus. Dernière, si je vois des trucs de fou à l'Avengers, c'est pas dit que je continue pas ma balade. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas été voir la boutique à la sortie, vous savez, de web. Donc, on va voir ce qui s'y trouve. Mission équipement, c'est parti. Il y a la chasse aux soldes. Alors, je vois pas de solde, mais je vois le châle que je cherchais depuis toujours. Disney Fashion, il est caché ici. Oh, il est tout juste incroyable, celui-là. Oh là là, mais là, je crois que j'ai vraiment craqué. Ça faisait longtemps que je le recherchais, celui-là. Pour la petite histoire, elle est au prix de 60€, donc bon. La question est, est-ce que la réduction passe annuelle peut s'appliquer maintenant? Parce qu'avant, elle ne s'appliquait pas dans cette boutique. Hein. En fait, j'ai la petite histoire. Hein. Il n'y a aucune remise accordée sur les collections Avengers Campus. Mais sur les autres articles, peut-être. Petite offre héroïque, sympathique. Vous pouvez trouver ce sac pour 15€ au lieu de 30 par tranche de 20€ d'achat. Ça peut être pratique, ça, de le glisser dans votre sac de la journée pour amener des souvenirs. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai vu aucune promo sur les articles dans cette boutique. Donc, je vous confirme, si vous souhaitez faire les soldes, venez au village, vous aurez tout. Et évidemment, j'ai parlé beaucoup trop vite, vous avez un lot de 4 verres Avengers en choix pour 15€ au lieu de 20€. Alors ici, nous avons Tony Stark, mais vous pouvez retrouver ici Captain Marvel, vous aurez divers petits lots. Alors, petite promo super cachée, comme quoi faut fouiner, 30% de réduction sur le plaid Avengers Campus que voici. Plaid initialement à 50€, donc qui coûte sa petite somme, mais avec la promo, ça vaut le coup. Ici, collection Avengers Campus, donc la réduction passe annuelle ne s'applique pas. On peut retrouver toujours notre petite promo 30% sur le plaid route. Oui, oui, on connaît. Comme vous pouvez le constater, la recrue que je suis a craqué. C'était évident, vous m'envoyez faire une vidéo shopping sans rêveur. Mais moi, mais je suis sans filtre là. Ça fait au moins 2 ans depuis l'ouverture de l'Avengers Campus que je regrettais de ne pas avoir acheté de châle et il n'en restait que 3. C'est ce que je vais dire à rêveur. Hein. Bon, voilà, je vais essayer de faire quelques boutiques sans craquer quand même, hein, les amis. Mais je vous avoue que au vu, vous venez faire les boutiques à Disney. Vous êtes d'accord avec moi, c'est impossible, voire difficile de ne pas craquer, hein, mis à part en pensant aux banquiers. Mais sincèrement, les articles, ils sont tellement somptueux, superbes. Franchement, j'ai maintenu pour l'entre-saison, hein, parce que mes châles d'Halloween et Noël, je ne pouvais plus les mettre. J'étais en PLS de plus mettre de châles, mais alors là, je vais être tout bonnement magnifique. Dernière boutique représentative du studio, chez Marianne, quartier chez Rémy, hein, vaisselle, nourriture. On va voir s'il y a les mêmes promos que World of Disney. À la recherche des promos, première promotion, donc 30% sur une sélection avec la pastille rouge. Quels sont ces articles-là? Eh bien, le voici. C'est un joli petit gilet pour enfants chez Rémy. Il est tout mignon. Il est au prix de 42€ initialement. Et la particularité, c'est sa petite capuche à tête de souris et l'intérieur qui rappelle les décors de l'attraction. Vraiment, Rémy Ratatouille Adventure, c'est donc une collection attraction. Nous retrouvons aussi la collection vue à World of Disney. Bon, je ne vais pas vous redétailler les articles, mais ils y sont tous.
Et c'est tout pour les promotions dans la boutique chez Marianne. On change de parc. Je suis chaude. Les promos m'ont chauffée. Je te dis la vérité, j'étais partie initialement pour rester sur le village. Mais là, j'ai envie de me faire toutes les boutiques. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver parce que... Ça en fait quelques-unes à Disney, hein, mais je vais vous montrer le maximum de ce que je peux vous montrer. Hein. Évidemment, je vais me focus uniquement sur les soldes, parce que alors là, si je commence à vous montrer tous les articles qui me plaisent, comme je l'ai fait au début à World of Disney, eh ben, la vidéo, elle n'est pas finie. Mais encore une fois, si ça vous plaît, le concept, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire des tours de boutique de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, pourquoi pas. Évidemment, hein, Corever, il n'est pas là, parce que alors sinon, eh ben, je suis morte, je ne pourrais pas acheter ce que j'ai envie d'acheter, alors ça ne va pas du tout. Hein. Oh le délire, vous pouvez même retrouver des soldes, et ben même pas dans les parcs, entre les deux parcs, regardez. On retrouve notre écharpe mini rouge ici, et bien sûr le petit bonnet hein, qu'on avait en solde à peu près partout. Donc pas besoin dans les boutiques, vous pouvez faire des affaires en juste en vous promenant. Nous voici à la maison dans le parc principal, regardez-moi cette merveille, oh mon hôtel, tu me manques tant. Hein. C'était il y a un mois, j'ai l'impression que c'était hier. Hein. Oh je vous jure. Le temps il est passé trop vite, on est encore dans le mood Disneyland Hotel, je sais pas me retrouver dans l'escalier, hein. Mais on est encore dans ce mood, dans ce souvenir-là, chambre réponse. Bon allez, c'est pas tout, mais je suis là pour vous trouver les bonnes affaires, les affaires shopping, c'est parti. Des réductions, 30%, voire plus si affinité. On va voir ce qu'on peut trouver dans le parc principal. Et on veut de l'inédit. N'oublions pas, c'est aussi la symphonie des couleurs hein, qui a commencé bah, à partir du 8 janvier. Ça fait un petit moment, mais bon, la parade, c'est tout juste restant. C'était le week-end dernier. Est-ce qu'on va voir du merch symphonie des couleurs? Vous pouvez compter sur moi. S'il y a du merch, eh ben, je vais vous le montrer. Mais honnêtement, hein, je n'y crois pas beaucoup. Hein. Je ne vais pas faire la négative de service, mais il n'y avait rien la semaine dernière. Bon, bah, on espère, on y croit. Allez, on va commencer par les petites boutiques qu'il y a sur le côté. Hein. Parlons peu, parlons bien, parlons shop. Nous pouvons retrouver ici notre 30% sur le plaid Groot. Une peluche Mickey Vagicien à 12,50€ au lieu de 25 par tranche de 20€ d'achat. Nos petites promotions sur la collection mini rouge et les bonnets droïdes. Oh, petite nouveauté, 30% de réduction sur la pièce en chocolat tête de Mickey. Jolie pièce en chocolat, elle est grande hein, quand même, qui est au prix initial de... 3€. Et j'ai vu 75€ là, mes yeux ils sont fixés. Hein. Non, le prix c'est au kilo, le prix réel est à 3€. Ne vous y trompez pas, donc 30% de réduction. Donc à peine arrivé dans le parc, j'ai trouvé ma petite promo. Donc je retire ce que j'ai dit. Il y a des petites promos qui se cachent un peu partout. Il faut vraiment faire du shop pour savoir où ça se cache. Il faut être curieux, faut rentrer, faut voir. Ça prend du temps, je vous avoue. Hein. Donc je vais essayer de vous faire gagner un peu de temps si vous allez au parc dans les prochains jours. Au moins comme ça, bah, vous allez voir des choses sans les chercher. Vous savez, je vous ai indiqué les lieux, vous y allez. J'espère juste qu'il y a encore du stock hein, parce qu'à mon avis, vu les prix, ça part très vite. Mais tentez votre chance. Hein. 100% des gagnants d'abord, ils ont tenté leur chance. Jetons un coup d'œil à la Plaza West. On était à l'Est et là, on est à la West. C'est la boutique d'en face quoi. Hein. Et vraiment, c'est la boutique d'en face qui ressemble vraiment beaucoup. Donc, on retrouve la même promo sur notre ami le petit Mickey. Même promo sur le Groot. Et même promo sur nos petits bonnets et l'écharpe, mais ici, pas de pièces en chocolat. Alors, on va aller voir ce qui se passe chez Bixby Brothers. Alors, c'est une boutique que j'adore, hein, très girly, pas mal d'accessoires féminins, des promos, peut-être du Pandora. Donc, les mêmes promos qu'à Disney Fashion sur les petits sacs et sur mon petit chouchou que j'ai acheté. 50% sur Mini Parisienne à vérifier, c'était bien 50% aussi tout à l'heure, hein. Étonnant. Toujours nos Loungefly à 30% de réduction, donc le Jack et le Dark. 30% sur nos deux petits sacs. 30% sur les produits Encanto, sauf la valise. Attention, hein, il y a eu 30%, mais précise bien à l'exception de la valise qui est juste devant. 30% sur les articles Pandora avec le petit rond jaune. Alors ça, c'est nouveau, 30% sur les accessoires de cheveux et bijoux, la petite sirène. Donc, voici la collection La Petite Sirène. Attention, en bas, on a du Star Wars. Donc, vraiment, c'est axé Petite Sirène, c'est ici. Alors, je vous donne par exemple le bijou qui est à 10€, donc 30%. Ici, ce petit collier qui est à 20€, 30%. Et les jolies petites boucles d'oreilles ici, qui sont à 20€, 30%. Donc, promo appréciable pour les petites filles. Promo appréciable et nouvelle aussi, 30% sur le plaid que voici Reine des Neiges. Donc, qui est un plaid qui m'a l'air relativement qualitatif. Quant à vous dire, le prix, il est de qualitatif aussi, 75€.
Donc, au toucher, c'est vraiment... on sent que c'est de la qualité, mais il est plus cher que mon châle. Hein. Donc, on a trouvé des nouveaux articles. Cool, cool, cool. Je vais aller en face à Storybook Store voir si, ce qui s'y passe. Hein. Voici Storybook Store. Donc, la mini parade de la symphonie des couleurs. Million Splash of Color. Eh bien, ça a lieu. C'est le moment d'aller faire du shopping. Il n'y a personne. Personnellement, j'aime beaucoup cette petite boutique. On trouve des articles intéressants. La peluche est toujours en promotion. On retrouve la collection à 30% des vinyles Eric Tan, un peu particulière. Hein. Et c'est tout pour les soldes du Storybook Store. Là, je vais être coincée par la parade. Je crois que je vais être coincée par la parade. Vite une boutique, je fonce à l'Emporium. La musique est toujours aussi enjaillante, entre parenthèses. Hein. À peine arrivée à l'Emporium, une promo 30% sur la boule à neige Paris Bleu. Donc là, voici la boule à neige Paris Bleu. Voilà, sympa pour Noël de l'année prochaine, qui est à 8 euros. 30% se prend. Donc 30% sur les produits Incanto, donc valise, on a vu, pas possible, lanière, poupée de collection Mirabelle, bougie lumineuse. Mais on peut acheter ceci, c'est en promo, donc super. Alors ceci, les petites figurines sont au prix de 35 euros. Il y a vraiment tous les personnages, c'est un cadeau sympa. Donc en promotion, la petite robe Mirabelle, hein, je ne l'ai pas vue dans les interdits, qui est initialement au prix de 60 euros. Donc déguisement sympa pour votre petite fille. Alors est-ce que ceci est la fameuse poupée de collection? Écoutez, à voir, hein, c'est une soft doll, donc pour moi pas la poupée de collection, donc comprise dans les soldes de 30 euros, puisque pour moi la poupée de collection, la voici, c'est celle-ci, donc celle-ci n'est pas en promo. Quoi. Alors le Encanto, il est vraiment partout, dans plein de boutiques, hein. Vraiment, on le retrouve partout, mais pas les mêmes articles, il faut avoir l'œil, hein, je vous dis les gars. Hein. Et qu'est-ce qu'on retrouve encore? Eh ben, ils sont toujours, mais ils sont partout ceux-là. Hein. Oh, la collection Saint-Valentin est aussi ici, vraiment j'adore cette petite collection. Hein. Jack est là aussi, ça me fait dire que il n'a pas dû faire fureur, hein, Jack, cette année. Hein. Et c'est tout pour les promos de l'Emporium. Je crois que ma petite parade est finie. Je vais pouvoir aller en face. Dans la boutique de bonbons, il y a aussi des superbes sucettes pour la Saint-Valentin. C'est trop mignon. Bon, c'est pas une solde, mais là, je craque. Je craque pour cette peluche Stitch avec son bretzel au prix de 35 euros. Elle est vraiment, vraiment trop choupie. Évidemment, dans la boutique de Momo, nous retrouvons notre petite promotion sur la pièce en chocolat Mickey. Alors, petite promotion, moins 30% sur les sauts de confiserie Barba Papa Vilain, Popcorn Grand Modèle Vilain et Guimauve Chocolat Blanc Mickey. Donc, ce seau à Popcorn Vilain, franchement, il est très joli. Hein. Vous le savez, hein, devant l'éternel, moi j'aime les vilains. Alors, cherchons le prix. Il est au prix de 7 euros, voilà. Donc miam, hein, miam en réduction, c'est pas mal. Autre miam en réduction, donc le fameux seau de Barba Papa en promo. Donc initialement, le combat c'est de trouver le prix, hein, the price. Donc le prix 6 euros, voilà. En fait le prix il est là, hein, faut chercher. Hein. Donc prix de 6 euros, 30% de réduction, ça se prend. Sans compter bien sûr, vous pouvez mettre la réduction passe annuelle en plus. Donc ça se prend doublement. Hein. Dans la boutique de bonbons, nous pouvons retrouver nos pouliches Munchling, signalées par une pastille rouge. Hein. Donc je vous en ai présenté quelques-unes avec quelques tarifs tout à l'heure. Mais la collecte elle est relativement sympa. Hein. Donc vous voyez, il y a même des soldes chez les bonbons. Il faut vraiment mettre le nez partout à Disney pour trouver les bons prix. Allez, on va passer à la boutique voisine, juste au coin de l'angle. Donc, à la recherche de nos petites soldes. Bon, un coup d'œil, pour le moment, je ne vois pas grand-chose. Allons fouiner. Ici, le sac en promo, il est comme ça, au prix de 10 euros. Il est joli aussi en Mickey. Honnêtement, pas de soldes à l'horizon, à vue de nez. Mais je peux vous dire pourquoi. Dans cette boutique-là, c'est souvent des collections, on va dire, comme vous pouvez le voir derrière moi à la collection Paris, des collections récentes. Donc, qui dit collection récente, dit forcément, on ne va pas solder le récent. Hein, faut être clair. Au suivant. On va aller voir ce qui se passe à Disney Closures. Vous savez, la boutique de vêtements pour bambins. Petite promo chez les bambins, 30% sur les articles signalés par une pastille rouge. Donc, nous avons ici cette petite veste version bleue et version rose qui est initialement à 45 euros pour celle-ci et 42 pour celle-ci. Donc, modèle à capuche dit basique. Donc, à 30 pour... Oh, celui-là, oui, il est un peu plus cher parce qu'il est moins classique. Hein, de dos, c'est beaucoup plus joli. Donc, en promo, 30%. On retrouve notre promotion 30% sur les chemises de nuit. Mais cette fois-ci, nous avons la version Elsa qui est à 42 euros. La version Anna à 42 euros également. Donc, très jolie chemise de nuit. Et la belle
donc qu'on nous avions vu tout à l'heure, à 42 €. Donc là, l'intégralité de la promo est là, qui n'est pas à World of Disney. Alors repérez bien le petit panneau 30%, parce que généralement en pastille rouge, oui, mais les articles à pastille rouge sont juste en dessous. Alors pour les petits bibous, plutôt pour les petites filles, vu la couleur, hein, c'est plutôt girly. 32 € prix initial pour cette petite jaquette avec le petit nœud, je confirme, c'est pour une petite fille. Et ça doit être pour les petits garçons, c'est très mignon aussi, au prix de 32 € aussi. Et la capuche avec des petites oreilles de Mickey est vraiment trop mignonne. On adore. On peut retrouver ici notre petit pampan à 30% de réduction. Il est trop mignon. Alors ici, ça va plaire aux fans de Star Wars, cette petite jaquette pour enfants au motif Dark Vador, donc Star Wars. Très sympa, très imperméable et surtout avec derrière l'intégralité du cast qui est au prix initial quand même de 65 €, c'est pas rien, est en promotion, donc 30% de réduction. Alors la jaquette Vador qui est juste à côté, elle n'est pas en promotion. Ah, attention, c'est plutôt Star Wars, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Vador. Ah bah si, Vador, parce qu'il est derrière. Voilà, j'ai pas totalement yoyoté. Ah, ça va plaire aux petites filles, ça. Nous avons aussi 30% sur ces petits articles. Donc des jolis petits serre-têtes, initialement 13 €. Mais aussi la petite collection de bijoux. C'est pas les mêmes qu'on a vu tout à l'heure. 10 €. Donc voilà, divers petits bijoux en promotion. On retrouve ici nos 30% sur la collection Encanto. Pourquoi? Je vais vous montrer ça. Pour le petit sac à 30 € ici. Pour cette petite jaquette, ce petit t-shirt qu'on avait vu tout à l'heure, trop mignon, mais celui-ci de mémoire on ne l'avait pas encore vu. Vraiment très très mignon, franchement. Que cette petite veste pour enfants initialement prévue à 45 €, 30% de réduction, ça fait du bien. Bon, c'est pas tous les bambins, mais moi ça m'intéresse aussi de voir les promos pour moi. Et pourquoi pas à l'auto-service, vous savez, la boutique de Madame Cruella d'Enfer, hein, que voici. Boutique que j'affectionne tout particulièrement. Chez Cruella, on peut remarquer toujours nos 30% de réduction sur ces jolis petits pulls là, ceux que j'aime bien. Donc, par contre, je ne trouve pas bouton d'or ici. On retrouve cette gourde à 30% aussi. Je ne vais pas vous redonner les prix, hein, je vous les ai donnés tout à l'heure. Là, je fais ma feignance, je vous montre juste où se trouvent les promos qu'on a déjà vus sur le parc principal et je vous montre un peu plus détaillé les nouvelles. Hein. Donc 30% sur ce legging qu'on avait vu tout à l'heure à 55 €, mais là qu'on voit déployer, donc c'est mieux, sur le sac ici. L'autre légume qu'on voit déployer, donc c'est mieux, vous savez, celui qui était rouge, mais beaucoup moins cher que l'autre. Et sur ce sac aussi. Petite promotion sur ce petit bracelet, qui au lieu d'être à 10 € est à 5 €, donc 50%, ça se prend. Il y a aussi encore un peu d'un coteau ici, avec nos petits ears. Et c'est tout pour Cruella. À suivante. Allez, Lily's Boutique, c'est parti. Il ne nous reste plus beaucoup de boutiques sur Main Street, mais il y en a beaucoup. Hein. On retrouve ici nos produits Encanto bien valorisés. Dans une jolie vitrine avec en plus, celui-là il est nouveau, le tablier s'il vous plaît, donc en promo également, qui est initialement au prix de 35 €. La peluche Mickey est toujours là et ici on peut retrouver l'offre qu'on avait vu tout à l'heure, la tasse, elles sont très jolies, on les voit mieux ici, hein, les deux tasses, 15 € au lieu de 30. Il y a Walt, j'aime beaucoup. Évidemment, on retrouve ici la promo sur la vaisselle Mickey Silhouette. Donc, cette collection est très valorisée ici aussi. Hein. C'est plus pratique de la regarder ici plutôt que de la voir World of Disney. Mais bon, la promo est toujours là, je ne vais pas vous donner les prix. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver les articles de la gamme Mickey Fun Kitchen, dont ce fameux moule à tarte que j'avais adoré. Mais en plus, on retrouve ici le bac à glaçons. Il ne semblait pas l'avoir vu tout à l'heure. Donc, au prix de 8 €. Tac, 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 tac. Le tablier, je ne savais pas que c'était dans cette collection, mais il en fait partie. Donc ça, un tablier Mickey, franchement, c'est super sympa. Je vais essayer de vous choper le prix. Donc, il est au prix de 24,99 €. 25, quoi. Et pour le reste, ce sont les articles que nous avons déjà vus tout à l'heure. On va dans la boutique de jouets juste à côté. Alors, comme vous pouvez le voir, après la parade, il y a foule. Alors, à première vue, la seule promo que je vois ici, c'est 30% Encanto, ici. Mais nous avons aussi 30%, vous savez, sur cet article que nous n'avions plus vu. Vous savez, au Disney Stores, il est ici, encore en stock, à 30% de réduction. Par contre, un peu loin, derrière la vitrine, pour voir le prix. Je te dis la vérité, la boutique est sympa, mais trop de monde, trop de monde, trop de monde. Pas le bon horaire, juste avant la parade, je vais fuir. Il me reste une affaire, je vais aller chez Harrington. Bon, on va voir s'il y a les promos et on va foncer dans le parc voir le reste. On peut retrouver chez Harrington notre ami Visionarium, donc en promotion, je t'aime. Je t'aime Nanaï. Nous avons ici une offre magique, cette jolie figurine, donc que voici,
pour 170 euros au lieu de 149. Toujours nos 30% sur la collection vinyle. Alors ça c'est plutôt cool, hein. Moins 50% sur la collection de verres des 30 ans. Donc si vous voulez un petit souvenir des 30 ans, il est encore temps, il en reste quelques-uns et 50%, bah, c'est une offre intéressante. Yes, j'ai réussi à faire tout le shopping de Main Street. Il reste encore quelques belles boutiques sur le parc. Bon, ouais, je me sens en forme. J'ai envie de vous montrer toutes les salles. Allez, soyons fous, toutes. Allez, on va finir les boutiques du parc principal et je crois que j'aurai fait le tour pour vous aider à faire du chop. Direction les Cowboys. Oh wow, les jolies petites promos. C'est deux salles, deux ambiances maintenant, hein. Eh ben, croyez-le ou non, ça commence dès l'entrée. Première promo, le sac filet qui est à 4 euros au lieu de 8. Pratique pour les courses. On retrouve aussi ici des figurines Eric Tan, mais version Jack. Alors 30% également, pastille rouge. Alors il a failli chercher, hein. Fallu chercher. J'ai trouvé la promo, c'est sur le petit body Jack qui est initialement à 16 euros et qui brille dans le noir. Pratique pour retrouver bébé et qui est actuellement en promo. Je vous monte à la lumière, hein, parce qu'il fait sombre dans la boutique. Mais le body est tout mignon mignon. Toujours 30%, Mickey Fun Kitchen, on connaît. Alors ça, c'est pas en promo, mais honnêtement, vous avez vu cette petite niche pour animaux de compagnie. Le Dome Pet, il est au prix de 60 euros, mais ouais, j'ai bien peur qu'il ne reste pas dans l'état très longtemps. À mon avis, les animaux, ils vont l'abîmer, mais c'est joli. On retrouve ici notre torchon Encanto. Et c'est tout pour les promos chez les Cowboys. Bon, direction l'aventure. Bon, petite promo extérieure, on la connaît. La voici. Je t'avoue que pour faire les promos dans le parc principal, bah, tu crains pas un petit peu plus. Hein. Bon, tu veux tes promos, faut les mériter, il faut marcher. Alors marchons vers bah, la boutique à la sortie, vous savez, de Pirates des Caraïbes que j'aime beaucoup. Oh non, il y en a deux, trois sur le chemin. Bon, allez, on va faire Adventureland. Hein. Mais avant, on va aller dans la boutique la plus planquée du parc. Vous savez, celle qui est tout au fond de Frontierland, là, avec tous les pins. On va voir, ce petit promo, pourquoi pas. Oh là, ça court. Donc la boutique, la voici, elle est ouverte. C'est rare parce qu'elle ferme tôt. On va voir si on a des promos. Donc, à première vue, pas de promo, mais hey, franchement, ça, c'est superbe. C'est dessiné en France par des artistes locaux. Je trouve, c'est litho, mais tout simplement majestueuse. Il me semble que le prix aussi est majestueux. 40 euros la litho. Il y a du choix, hein. Il y en a qui se cachent derrière et tout. Prenez le temps de flâner. Je vous confirme, pas de promo. C'est comme ça. On ne peut pas y en avoir dans toutes les boutiques. C'est la première où j'ai pas vu de promo quand même. Hein. Il faut le souligner. La première boutique sans promo. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment à Adventureland. Je suis juste à côté. On va aller commencer, vous savez, par la petite boutique un peu à côté d'Indiana Jones. Là, j'aime bien celle-là. Indiana Jones, aventure, outpost. Nous y voici. Celle-ci est toute petite. Hein. Le tour devrait être rapide. Alors, promo ou pas promo ? Oui, Lindy. La boule de Noël Balou qui était il n'y a pas si longtemps que ça en promo. Et bon, bah, four, pas de promo ici. On repart. Direction la petite voisine, la girafe curieuse. On va voir si promo ou pas promo. Et ben, la girafe curieuse. Et ben, nous avons notre première promotion, moins 30% sur le sabre à bulles, donc Pirates des Caraïbes. Sabre à bulles que voici. Donc, que les Bamba affectionne tout particulièrement, qui est au prix quand même de 30 euros, donc promo qui fait du bien. Nous retrouvons aussi notre promo 30% sur la confiserie. Oh, miam miam. Et c'est tout pour les promos pour la girafe curieuse, mais ça nous aura permis de faire un petit coucou à notre petite girafe si curieuse. Coucou toi. Allez, on continue le shopping. Oh la vache, les gars, regardez qui c'est qui a. C'est vous qui payez, d'accord. C'est pas shopping, mais je peux repartir avec, hein, le monsieur. Hein. Trêve de plaisanterie, hein, mon rêveur, il va pas aimer du tout. Rêveur, tu n'as rien entendu. Rêveur, j'ai rien dit. Non. On va à la boutique des pirates. Allez. Boutique des pirates qui s'appelle le coffre du capitaine. On retrouve chez Jack notre promo sur le joli petit body qui brille dans le noir et aussi, bien évidemment, notre petit launch fly. Alors ça, c'est pas une promo, mais je l'adore. C'est ce joli petit sac à main. Hein. Quand même, il est trop joli, hein, launch fly et tout. Il doit être lourd à porter hein, parce que c'est bien mastoc. Il est à 90 euros et perso, j'adore. Offre magique. Si vous faites l'attraction, vous pouvez récupérer ce cadre plus votre photo pour la modique somme de 10 euros au lieu de 35. Ça fait un joli souvenir. Sympa la visite chez les pirates. Hein, bon. Pas beaucoup de soldes, mais quand même, petites astuces, ne serait-ce que pour le cas de photo, ça fait du bien. Direction Fantasyland. On va voir si les boutiques sont ouvertes. Sœur Mickey, par exemple, qui est en travaux.
Mais on va voir aussi, il y a une petite boutique pour les piou-piou, un petit princesse, et puis toutes les boutiques du château. Bon, allons jeter un coup d'œil. Nous allons commencer par la chaumière des sept nains et il y a la promo sur les vêtements en canto. La robe en canto, vous pouvez retrouver ici. Vous pouvez retrouver aussi ici nos tenues de nuit, hein, toujours les trois mêmes princesses. Également le plaid Reine des Neiges, également la gamme en canto. Tout cela est bien redondant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite nouveauté? Eh bien là voilà notre nouveauté, le Sven allongé que je n'ai pas trouvé dans les autres boutiques. Il est caché ici, donc dans la boutique des princesses, initialement à 40€. Et regardez-moi, 30% de réduction sur ce Sven allongé. Moi, personnellement, je lui trouve une bonne tête. Ça fait un petit oreiller sympathique et il est vraiment très beau. Venez foncer avant qu'il n'y en ait plus. Perso, j'aime beaucoup cette boutique que je trouve vraiment très choupi. Allez, à la suivante. Mais avant de partir, n'oubliez pas que vous avez toujours vos bubules fées clochettes. Donc, pas celle-ci, mais celle-ci. Toujours en promo et toujours au prix de 30€ de départ. Ça vaut le coup. Direction les boutiques du château. Je vous avoue, j'ai pas grand espoir. Alors là, je m'arme de courage parce que c'est petit, il y a du monde. On va commencer par la Haribas. Haribas, Haribas. Alors là, vaut mieux pas que je rentre ici, mais pour vous, je ferai tout, les amis. On en parle de la collection Saint-Valentin qui est juste à tomber par terre. Bon, c'est fini la Saint-Valentin, mais à noter les amours l'année prochaine. Passez par ici, votre belle sera contente. Pas de promo chez Haribas. Allez, on va aller direction Noël, si j'arrive à traverser. Et c'est Noël. Et à Noël, est-ce qu'on a de la promo? Tatatatam, verdict. Et bien, pour une fois qu'on a la boutique vide, on voit qu'on a toujours les Munchkins qui sont là à Noël, tranquillement, installés ici. Et c'est à peu près la seule promo de cette boutique. Mais venez la visiter à l'heure de la parade parce que franchement, ça vaut le coup. Regardez, il n'y a tout juste personne. Et c'est le moment de faire vos jolis petits shopping de Noël avant l'heure. Prévoyez pour l'année prochaine. Allez, Saint-Mickey. Eh ouais les gars, la parade, elle est tout juste là. La confiserie des trois fées d'abord, j'aime bien. On retrouve nos petits manchemiques. J'arrive jamais à dire le nom, hein. Pareil, boutique vide pour cause de parade, c'est très agréable. Et voyez nos petites fées derrière, hein. Elles sont pas là parade, elles sont bien là, hein, la confiserie, hein. Donc, pas de promo à première vue. Sir Mickey, nous voilà. Oh, Sir Mickey qui a perdu de son charme, hein, mais qui est ouvert. Ne vous fiez pas à ce grand panneau, la boutique est toujours ouverte. Et regardez, la petite porte est là et on peut y accéder. Allons voir si promo dans la ménagerie du royaume. Open, vous voyez, c'est comme les porcelus, c'est écrit dessus. On commence par notre 30%. Et ben, j'imagine que c'est pour la petite Marie, parce que le pampan, je le vois pas là. Mais on peut repérer aussi notre pampan géant ici, ce qui nous permet de voir le prix. Le pampan géant qui est tout mignon, tout grand, avec une papatte qui est géniale, est au prix de 50€. Pas de promo par ici, à première vue. Mis à part bien sûr notre petit Mickey qu'on retrouve partout. Alors la promo de 30% sur les tasses, on l'avait vu celle-là tout à l'heure, mais celle-ci on ne l'avait pas vue. Et franchement c'est dommage, c'était bien dommage de passer à côté parce qu'elle est vraiment très belle Mickey sorcier au prix de 17€. Et moi je la trouve vraiment très jolie. Ce que je préfère dans cette boutique, eh ben, c'est ici. Hein. Bon le haricot on ne le voit pas mais on voit toujours ses racines. J'ai hâte de voir comment ils vont nous rénover cette jolie boutique. C'est tout pour les promos sur Mickey. Alors j'ai fait le tour de Fantasyland. Il me reste deux boutiques à Discoveryland à vous montrer. Bon bah encore un peu de marche et j'aurais fait vraiment l'exploit de vous faire vraiment le grand, méga, super, énorme tour de toutes les boutiques de parcs, du village et tout. Les promos, maintenant, vous n'avez que l'embarras du choix pour dépenser vos sous. Et nous voici à Discoveryland, direction Star Trader, qui est devant l'éternel, je pense, une de mes boutiques préférées et de loin. Alors, est-ce qu'on va voir des petites promos autres que le Launchlight Dark Vador? That is the question. Star Trader Boutique. Alors, le problème, c'est que c'est la sortie aussi de Star Tours, ce qui fait que des fois, il y a eu des influences. Nous retrouvons ici notre bonnet Stormtrooper, 30% de réduction. Notre Launchlight Dark Vador, 30% de réduction. Notre mug Femme de la Galaxie, toujours à 30% de réduction. Notre ami Mando, 30% de réduction. Par contre, je trouve pas encore Luke. Toujours à 30%, notre bubule Grogu.
Par contre, on en parle, comment elle est trop mignon. Oh là là, il vaut 100 euros. C'est un animatronique qui bouge, il est tellement merveilleux, mais vraiment beau. 30% de réduction toujours sur la petite veste qu'on a vue tout à l'heure. Et voici Luc. Non, tout est concentré, il n'y a pas de souci. Toujours 30% de réduction sur Chewbacca, mais pas Dark Vador, c'est dommage. Et enfin de l'inédit, 30% de réduction sur ce pull pour enfants. Alors avec motif Dark Vador, un peu étoile de la mort. Il me semble que c'est d'inédit. Hein. Sweat à capuche. Le prix initial est de 50 euros quand même. Ah ouais! Quand même, hein, pour les enfants ça fait rush, mais 30% ça va mieux. Et le revoilà lui, j'aurais bien craqué, mais j'ai déjà craqué sur le chat, je peux pas craquer sur tout. Hein. Bon, bah, c'est fini pour la Star Trader, il nous reste une boutique à découvrir, la boutique de Buzz, hein, tout simplement. Donc allons-y, allons voir s'il y a des petites nouveautés. Bon, je suis contente, j'ai quand même réussi à trouver un article nouveau à vous montrer. J'ai pas fait tout ça pour rien. Allez, direction la dernière boutique. Direction la petite dernière, Constellation. Oh, il commence à faire nuit, ça fait joli avec la lumière. On voit bien le buzz. Hein. Alors, faut le trouver ici, l'article en promo, mais on peut retrouver notre joli petit pull en promotion. Et aussi, bien entendu, celui-ci. Et bien sûr, notre petit t-shirt qu'on adore tout ce temps, qui est vraiment très joli et tout doux. Ah, et j'ai une dernière nouveauté. Regardez-moi ce joli petit pull pour enfants World of Pixar. Eh bien, il est en promo, prix initial 39 euros. On ne l'avait pas encore vu. Hein. Et derrière, on retrouve tous les personnages de l'univers Pixar. Donc, je le trouve vraiment très joli, celui-là. On peut retrouver en caisse pour 5 euros un set Stitch de 3 clips au lieu de 10 euros. Donc, c'est plutôt joli. Pour 10 euros par tranche de 20 euros, on a ce joli sac Marvel avec le reflet. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et comme partout, on retrouve la peluche Mickey. Et c'est fini pour le tour des boutiques. Bon, bah écoutez, on a fait des belles soldes. Hein. J'espère que ça vous aura plu de voir tous ces articles. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous souhaitez que j'en refasse une autre ou pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de dépenser beaucoup de sous. N'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir, à liker si tu as aimé, bien évidemment, et à partager. Plus on est de fous, plus on rit. En attendant, je te laisse et je reviens une prochaine fois avec Rêveur. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.